Eh bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Ark Survival, ARK Survival, je ne sais toujours pas comment ça se prononce et puis alors j'en ai absolument mais alors rien à faire les amis. Alors on ne passe même pas par le menu parce que je fais cette deuxième vidéo complètement dans la continuité de celle de juste avant, hein. Bref, vous avez compris, tant mieux. Il y a un truc qui est... Il y a un dinosaure qui est coincé ici, on va le bouffer aussi celui-là, hein. Je pense que... on a un dinosaure, j'ai oublié son nom. Qu'on a combattu, qu'on a vaincu d'ailleurs, hein, faut le dire. Et il est inconscient pour l'instant. Donc j'aimerais savoir si il va regagner un petit peu de sa santé ou pas. Et s'il va devenir mon ami ou pas. Bon, je pense pas, hein. Je pense honnêtement qu'il va mourir. Oh, un dodo, ouais, on va le tuer. C'est pour ça qu'ils ont disparu, les pauvres. Donc, du coup, ce que je voulais dire. Salut. Allez, viens. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que on va attendre ça tout simplement. Voilà. Hop. Tu m'as donné de la viande. En fait, il vaut mieux tuer des dodos. Hein. Vous avez vu, il nous donne 3 viandes. C'est où? Il nous donne 3 steaks et de combattre un gros dinosaure bien galère, bien compliqué. Il nous donne un ou deux steaks. Franchement, le calcul est vite fait. Alors. Ah ouais, j'avais vu ça aussi. Oh, là où il y a plein de dinosaures. Ouais. J'aurais voulu aller dans l'eau en fait. Parce que si c'est super. Oh, regardez, il y a des poissons là. Je vois un poisson. J'aurais bien voulu aller par là. Qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce qui va pas? Ah, je crève la dalle. Ok. Faut que je mange. Alors, j'ai eu un lag, les amis. Encore. Tout va bien. On va pas s'inquiéter tout de suite. Ouais, donc faut que je mange. Alors, je vais bouffer de la baie en fait. Hein, c'est ce que j'ai voulu retourner dans mon feu de camp cuire ma viande. On va bouffer de la baie. Hop. Je sais pas pourquoi je prends ma torche. C'est ce que j'ai trouvé de plus près comme bouton. Voilà, allez, mange de. Non, pas de la pierre. Voilà, on va bouffer des baies. Parce que j'ai envie d'aller dans l'eau voir un petit peu ce qu'il y a là. C'est super, ça a l'air joli du moins. Tac. Non, Oh, t'es grande. Toi, tu vas me donner des tas de choses, toi. Ah non, c'est des cailloux. Je veux pas les cailloux. Je peux plus bouger après, moi. Voilà, 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 voilà. Tu m'as donné... Alors, vous êtes encombré. Ben oui, tu m'étonnes, je peux pas bouger. Faut que j'enlève tout un tas de bazar, là. Je peux enlever, je pense... J'ai 61 pierres, je peux peut-être en dropper. Voilà, et je... Ah ouais, d'accord. Ça reste là-dedans. Bah, de la pierre, j'en aurais besoin, donc... je vais en ramasser un petit peu d'autres. C'est bien, j'en ai jeté 60 pour en ramasser une trentaine. Je suis très, très, très fort. C'est pas... Non, voilà, une dizaine de pierres, ça me suffit, en fait. C'est surtout pour ça... Ah, j'ai vu un gros truc là-haut, les amis. Droit devant. Attendez. Non, pas la pierre, pas la pierre. Juste ça, voilà. Prends-nous des trucs à manger. Eh bien. Regardez, attends, j'ai vu un énorme... Ah, je sais pas, c'est peut-être les dessins. Attendez, je m'emballe, je m'enflamme. J'ai vu un truc par là. Ah oui, regardez-moi cette bestiole là-haut. Oh, c'est un énorme dinosaure. Ça doit pas être un méchant, celui-ci. Ok. Alors, on continue à bouffer les baies. Je vais avoir une diarrhée. Allez, on mange. Mange, elles sont où les baies? Les baies. Tac, alors. Allez, bam. Je mange, je fais même pas attention. Ça, c'est comme des cerises. C'est pareil. Allez, hop, tac. Voilà, des narcoberries. C'est pas les mêmes encore. Ah, c'est... Pourquoi j'ai celle-là? Et j'ai celle-là. J'en sais rien. Alors, là, ma barre de faim remonte, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau elle va remonter. Allez, on va prendre encore un petit peu de fruits jusqu'à ce que je vois. J'aimerais bien que ma barre de faim remonte au max. Ah, c'est la cueillette, hein, j'ai appris ça à l'école. Alors, on vide la cueillette. Ok, est-ce que ma barre de faim remonte encore ou pas? Ah, elle remonte encore, ouais. Quantité 2, je sais pas ce que ça me donne. Je bouge tout, je vais finir obèse. Allez, on y va. On va se balader du coup vers la flotte. Hop, enlève ta torche, voilà. Oh là là, vous avez vu ce cookie là? Oui, c'est un... Ah, génial, mon feu de camp de tout à l'heure. Ah, il a un grand coup, lui, hein. On va peut-être pas essayer de le tuer. Alors, je voulais essayer d'aller balader dans l'eau. Salut! Salut, la tortue ninja! Comment ça va? Ça va? Level 34. On va peut-être pas aller t'embêter non plus. Alors, l'eau.
Je peux aller dans l'eau par là. Est-ce que c'est ici que ça paraissait chouette? Ah, il y a un petit les petits dinosaures là, je crois qu'ils ont ils avaient cherché aussi à m'attaquer. Hein. Vous avez froid. Ah non, pourquoi c'est pas chouette là? C'est pas ici? On va peut-être prendre ça au cas où, hein, parce qu'il y a des gros poissons là-dedans qui sont pas très sympas. Ah si, regardez, il y a l'espèce de barrière de corail ou je sais pas quoi. Je peux pas monter? Lève, monte! Ok. Ah si, regardez. Alors bon, il faudra pas qu'il y ait des grosses bestioles là-dedans, parce que je vais me faire défoncer dans la flotte. D'accord, alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants à ramasser ici? Parce que comme ça a l'air très joli, vous voyez, c'est surtout ça qui m'intéresse. Des ressources à ramasser. Non, il n'y a absolument rien à récupérer, je pensais, mais non. Non mais c'est chouette. Ok, c'est bien. Moi, par contre, je me sens pas du tout rassuré dans ce jeu. Aller dans l'eau, c'est bizarrement, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Stranded Deep. On n'a pas trop envie d'aller dans l'eau, même si on est parfois complètement obligé d'y aller. Bon, là, en fait, c'était juste joli. Allez voir. Allez. Regardez, il se bat, lui, le Triceratops. Ah, il se bat contre... Oh, le ch'ti, il se fait défoncer. C'est bien. Allez-y, bah défoncez-les les petits, parce que moi les petits je les aime pas. Ok, bon, on est même pas tombé sur un... J'ai fait caca. Ah, regardez, un dodo. Hop là, bam. Combat rapidement. Voilà, allez, un petit peu de viande. On va pouvoir aller manger, hein, tranquillement, les petits amis là. Alors, est-ce que vous croyez... Est-ce que là-haut, là, je peux faire quelque chose ou pas, là? Alors, vous êtes fatigué, arrêtez de bouger un moment, s'il vous plaît. Alors, là, il y en a un avec sa grande tête, là, qu'on a tué. Déjà, eux, est-ce qu'ils sont gentils? Ils sont beaux, en tout cas. Hein. Wow. Tu es à niveau 4. Allez-moi ça, cette bestiole. Ils sont énormes. Ils sont vraiment énormes. Ah, t'es blessé, hein, regarde. Non, 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 je t'embête pas, pas de problème. Alors... J'en suis aussi au niveau de... je suis à 118,9 les amis. On va bientôt pouvoir changer de niveau et bientôt voir ce qu'on a récupéré. Du coup, on va péter un arbre, tiens, allez, pour essayer de nous aider à augmenter notre niveau. Voilà, bon, super. On va retourner du côté du feu de camp. Parce que j'ai envie de me faire un lit, hein, vous le savez. Enfin, une paillasse. Alors, il y a un premier feu de camp par là, je crois. Alors, est-ce qu'on retourne au deuxième? Je sais pas. En fait, ce serait peut-être mieux qu'on fasse notre... notre base par ici plutôt, parce que là il y a plus de ressources, j'ai l'impression, et je pourrais peut-être aller dans la forêt un peu plus facilement, parce que là-haut je suis vraiment je suis loin, quoi. Après, je suis peut-être plus en sécurité aussi, hein, donc ça c'est peut-être aussi quelque chose à prendre en considération, mais je pense qu'on va plutôt revenir quand même par ici pour faire notre camp de base. J'aurais pas cette rivière à traverser non plus. Alors, vous avez froid? Ben ouais, c'est pas grave. Je peux pas courir, j'ai froid. Allez, on va se mouiller un petit peu. Comment je fais pour sortir de là? Là, évidemment, je peux pas, je suis coincé. Pas assez de stamina pour jumper. Ah bah ouais, mais... Ah oui, non, vite. Bah avance. Ah non, je vais pas me noyer comme un... Oh non, non, sors de la flotte. Avance. Ah, je vais me noyer. Avance, avance, avance. Putain. Ah, je suis épuisé. Ah, mais attendez, mais non, mais c'est vraiment, il est vraiment dangereux, ce jeu. Ok, toi t'es là. Eh, c'est pas toi que je. Eh, mais c'est mon copain. Non? Non, peut-être pas. Non, c'est pas mon copain. Si, attendez, il y en avait un qui était là. Bah oui, attendez, c'est mon copain. Ça y est, il est réveillé. Est-ce que t'es mon copain? Ouais, si, t'es mon copain. Ouais, t'es pas mon copain du tout, en fait, tout ça. Voilà, j'aurais mieux fait de te tuer pour bouffer. Alors, mon feu de camp, où est-ce qu'il est, il est encore un petit peu plus loin, il est par là, voilà. On a augmenté de niveau, les amis, hein, ça y est. On va pouvoir débloquer de nouveaux objets. On va pouvoir, enfin, aller vers de nouveaux horizons. Putain, c'est quoi ce bruit? Okay,
Allez, nos fondations sont ici. Est-ce que si je démolis mes fondations, est-ce que je récupère quand même le matos? Je ne sais pas du tout. Alors déjà, on va se faire un petit feu pour se réchauffer, parce que je suis... C'est quoi ça? Vous croyez que c'est de la flotte? Bon, on va mettre du bois. Toi, viens là. Le shark machin. On va se mettre un peu de bois ici. Comment je fais pour enlever? Je veux pas tout mettre, moi. Non, bah, non mais... Hey, ok, bon, on va se mettre la viande. Tac, allez. Voilà, comme ça, on va se réchauffer un petit peu par la même occasion. Ensuite, on va donc... alors, l'eau, non. Ce qu'on peut porter, non. Les dommages, la vitesse, la fortitude, la vitesse de craft. Moi, je dirais bien peut-être la stamina. Allez, la stamina. Donc, on a 12 points, les amis. 12 points. Donc, on se fait un lit. Alors, non, c'était pas ça, le lit. Attendez voir, c'était où, le lit? Simple bed. Voilà, ça consomme 8, quand même. Hein. Alors, ça requiert le hide sleeping bag. Purée, c'est quoi, le hide sleeping bag? Ah, il faut ça. 3, 8 et 3, 11. Ah, bah voilà. Alors, this hide sleeping bag act as a single use respawn point. Ah, utilisation une fois only, je crois, ok, on prend ça. Et je veux le lit. Et voilà, il me reste un point qui nous servira du coup à que dalle. Donc, pourquoi j'ai la nourriture de pourri là-dedans, moi? Ah, dans le loup, des fois il y en a de la pourrie. Bon, bah, alors ça, faut y dégager. Hop, on va le dropper. Alors, cook meat. Attendez, c'est parce qu'il faut que j'enlève ça, peut-être bien, voilà. Ah, ça y est, c'est cuit. Voilà, super. Allez, on va manger encore un petit peu. Alors, c'est en 4. Voilà. Alors, je sais pas si c'est de la pluie. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est de la pluie. C'est bizarre, hein. Alors, on va voir pour se faire. Donc, craftable. Craftable, alors, bah, rien pour l'instant. Pas grand chose. Et je veux. Alors, il me faut du hide. Ah, c'est de la peau. Ah, j'en ai 24. Ou alors. Ah, j'ai 24 peaux. Oh là 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 là, quel dommage. Et ça, il me faut du wood, du thatch, la fibre et encore de la peau. Ah ouais, mais comment je fais pour trouver de la peau, moi? Il faut te défoncer beaucoup de bestioles. Pourquoi t'as froid, là? Vas-y, voilà. Ouais. Donc, de la peau, les amis. Ce que je vais faire, est-ce que je peux me refaire une torche? Non. Il me faut du wood. Bon, on va aller chercher du bois. Ah bah oui, tout le bois est dans le... truc. Allez, vas-y, on s'en fout. Oui, t'as froid, c'est pas grave. Attends, eh oh. Allez, coupe du bois, ça va donner chaud. Voilà, ma pioche, ma hache va être foutue. Voilà, bon, c'est fait. On va se crafter. On va se refaire, du coup. On va se refaire une hache. Déjà, et on va se faire aussi une torche. Avec la torche, je vais pouvoir aller me balader. La torche me tiendra chaud. Ah, mais j'avais encore une pioche. Voilà. Donc là, on est pas mal, on est pas mal. Est-ce que j'ai de quoi me faire une autre arme? Qu'est-ce que j'ai comme arme? Je peux me faire une pioche encore? Ouais, j'aimerais faire une pioche aussi. Voilà. Et on va aller défoncer, du coup, de la bestiole pour... bah, tout simplement pour récupérer du cuir. Bon, alors, en plus la nuit va tomber. Allez, je mange tout. Je vais prendre le bois que je vais remettre par là. Je vais enlever le charbon. Voilà. Je vais démolir. Ah non, comment on fait? Ok. Ah bah, ça m'a donné le matos pour la refaire. Donc ça, c'est génial. Pourquoi il y a du truc dans le feu? Pourquoi le feu continue de brûler? C'est pas grave. Ok, comme ça, je vais prendre ma torche. La torche, alors quel numéro? 8. Voilà. Et ma torche... Ah non, merde, je pensais que la torche me tenait chaud. Et en fait, bah, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va retourner par là. Tranquillement. Mais est-ce que c'est du cuir
Du hide. C'est quoi ça, du hide? J'en ai du hide, j'en ai eu hein, du hide. Ouais, sur un animal mort, non, mais c'est ça, hein. Donc on n'a pas le choix, les amis, il faut qu'on aille. Vous avez froid? Ah oui, non, mais j'ai beaucoup froid. Oh, ça peut pas m'embêter à ce point-là, quand même, si? Non. Alors, il y a une main, il y a une pelle, une pioche. Ah, je dois être vraiment congelé, là, alors, hein. Ouais, je ramasse encore un petit peu de matos. Ok, ok, ok. Ah ouais, puis il va falloir que je traverse l'espèce de la cascade. Est-ce que je peux pas traverser sans me mouiller? J'ai fait caca. Attendez, bah... Ah, je saute! Ah merde, ah bah non, bah, je pensais... Ah ouais, non, mais attendez, vous allez voir, je vais être congelé. Allez, vas-y, mon petit, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, traverse. Voilà, de toute façon, t'as froid, hein. Ok, c'est bon. Vas-y, rallume ta torche. Et hop là, la torche n'est pas mouillée. On est très très fort. Donc, j'ai dit que ce serait peut-être plus intéressant de faire, du coup, mon camp de base par ici. Je sais plus où, hein. Plus près de l'entrée de la forêt, en fait. Un petit lag, mais tout va bien. Voilà, on va se rapprocher de la forêt, les amis. Alors non pas, on va pas faire le camp dans la forêt, hein, parce que notre survie serait plus compliquée. Mais, ah oui, regardez, il est encore là, le grand machin, avec sa grand, son grand cou, là. Hein. Ah, un dodo. Ah, j'aime bien les dodos, mais je les trouve chouettes. Hop là, voilà, tac, ça c'est fait. Alors, est-ce que tu peux me donner, par exemple, est-ce que lui, il me donne du... Ouais, il me donne du hide aussi. Il me donne du hide, tous ces petits gens-là. Du hide, il m'en faut quand même. Là, il me faut du touch. Ok, ah oui, non, c'est pour les fondations. Là, j'ai assez pour me faire ce truc-là. D'accord, mais j'ai pas le simple bed, il me faut du hide encore en pagaille. Alors on va se faire quand même celui-ci, et pour les fondations il manquera du touch qu'on va se prendre peut-être bien tout de suite. Alors attendez, on va prendre le touch, c'est ça quand même, voilà. Ok, je peux plus rien prendre. Alors on va s'installer où? Parce que là je peux plus bouger, c'est trop lourd. Eh, pourquoi t'es encore là toi? Voilà, redonne-moi ta peau là. Hein. Bon, on va s'installer là, hein, voilà, tout simplement. Ici, on est à côté, je pense, ou peut-être encore un peu plus près. Allez. Ouais, là, je vais y aller doucement parce que bah, je suis super chargé comme un mulet. Allez. Je peux plus avancer. Alors, je me rapproche juste un peu de la forêt. Ah, bah, j'ai pigé. Voilà, bah, on va se mettre à l'endroit où il y avait le feu de camp. Je me rapproche de la forêt parce que de toute façon, je pourrais pas rester éternam comme ça. Sur la plage, il faudra que j'aille dans la forêt tôt ou tard. Ah bah super, on va reprendre notre vieux feu de camp ici. Allez, on va y mettre tout de suite du bois dedans. Ça va, j'en ai du bois, ouais, 47, super, génial. On va allumer ça, on va cuire un peu de bidoche, voilà. Pourquoi je suis si lourd que ça, moi? Voilà, je vais poser également. Donc, je voudrais faire d'abord les fondations. Donc il me faut du wood pour faire mes fondations. On va prendre ça et on va ramasser du wood. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. 4, 5, 4, 6. Voilà, c'est bon, j'en ai assez. On va pouvoir donc se crafter nos fondations. Tac, fondation. Et voilà. Et donc on aura donc. Elle est où? Fondation! Non, attends, faut que je revienne là, là, tac. Ah, bah, d'accord, donc en fait, elles sont juste déjà là. Tac, tac, tac. Donc, c'est quel numéro? C'est 7. 7, on va mettre nos fondations. Bah, allez, ici. Voilà. Non. Non, 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 non. Faut que j'y mette plus près du feu, en fait. Si je veux que ça me tienne chaud. Ah non, pourquoi je peux pas me refaire mes fondations là? Attendez, c'est quoi ce bazar?
Non mais attendez, je pensais que je récupérais le matos. Non? Non, c'est pas vrai. Ah non, on récupère pas le matos. Oh là 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 là, mais quelle misère, mais quelle misère. Allez, faut... Alors il me faut du bois. Et il me faut... Du touch. Allez, donne-moi du touch. Voilà, c'est bon. Allez, on va y arriver les amis. On va y arriver, je vous le dis. Alors, fondation. C'est parti. Ok. Alors, les fondations sont donc là. On va donc les prendre en 7. On va se mettre donc juste à côté du feu. Voilà. Et ensuite, on va donc s'installer avec notre sac de couchage d'UV, je ne sais quoi. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va le mettre là. Tac, tac, tac. Donc, en numéro 9. Et je peux le mettre ici. Yes! Regardez, les amis, ça y est! Est-ce que je peux dormir? Ah non, c'est pour voyager. Pour se téléporter. Je peux pas dormir. Alors, fast travel, non. Le renommer, pick up, le prendre, le démolir. Non, non, non. Ah ouais, bah non. Non, mais je pensais pouvoir dormir. Purée. Bon, bah c'est pas grave, les amis. Je pense qu'il faut qu'on se crafte l'autre lit. J'ai dit que je voulais changer le nom. Splashex. Voilà, tac. D'accord, donc on va pouvoir après, je pense par la suite, si on met plusieurs lits, pouvoir se téléporter à plusieurs endroits grâce à ça. Bon, bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de ARK. On va continuer cette série, ne vous inquiétez pas, on la continue parce qu'on commence à maîtriser un petit peu le B.A.B.A. Il faudrait quand même qu'on puisse progresser un petit peu plus. Donc bah c'est ce qu'on va faire. On va aller visiter un petit peu plus les terres. Et puis on va essayer de défoncer les petits dinosaures en espérant qu'ils nous fassent pas trop de mal. Et bien voilà les amis, en attendant moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée comme d'habitude. Et je vous dis donc à très bientôt. Et n'oubliez pas, ah oui très important, laissez-moi un commentaire si vous avez des idées, si vous savez comment faire, etc. Comment je peux faire aussi pour soigner les animaux, pour qu'ils deviennent mes amis aussi, et puis bah, ça sera déjà pas mal. Donc allez, à plus les amis, salut.